dont l'objet est d'attribuer à l'association Hardy une subvention complémentaire de 4,4 millions d'euros pour que celle-ci présente un projet de reprise partielle des rails. Permettez-moi de vous dire d'abord comment on en est arrivé là, et puis de vous donner notre analyse de cette offre de reprise, et enfin de vous dire ce qu'il nous semblerait nécessaire de faire. Je suis désolé, Monsieur Gagnère, je vais un peu revenir sur le passé, puisque c'est un passé qui nous préoccupe depuis quelques années. Comment en est-on arrivé là? Vous l'avez dit, ERAI a été créé en 1987. Pour la plupart d'entre nous, nous n'étions pas là. Nous avons assez peu d'informations sur cette période, mais la grande majorité des chefs d'entreprise que nous avons croisés depuis 2 ans nous ont tous dit qu'ERAI fonctionnait correctement. En 2005, Monsieur Gouffet prend la présidence des rails. Il s'ensuit quelques conflits avec des dirigeants de l'association d'alors, notamment de certaines filiales, et dont certains se terminent au prud'homme. En 2008, un rapport de la Cour des comptes stipulait que le mode de financement des rails gagnerait en transparence si une comptabilité analytique était tenue. 2008, il y a 7 ans seulement, et personne n'en a tenu compte. C'est vrai que ce n'était que la Cour des comptes. Entre 2002 et 2006, la subvention de la région à ERAI avoisine les 4 millions d'euros. L'expansion d'ERAI est continue et s'accentue fortement jusqu'en 2014. Augmentation du nombre de salariés, création de nouvelles filiales. La subvention ordinaire d'ERAI culmine à 7,4 millions d'euros il y a 3 ans, avant de redescendre en 2014 à 6,6 millions d'euros, subvention ordinaire auxquelles il faut ajouter les subventions exceptionnelles ou spécifiques à certaines missions, notamment lors de l'exposition universelle de Shanghai. Entre 2007 et 2011, les effectifs progressent de 119% dans les implantations et de 63% au siège. C'est dans l'audit fait par Scorex, dont les conclusions ont été rendues en avril 2012 et qui a été communiqué aux élus régionaux le 16 janvier 2015, près de 3 ans plus tard, vous parliez de transparence, Monsieur le Vice-président, que nous trouvons enfin le bilan financier de l'animation du pavillon Rhône-Alpes de l'exposition universelle de Shanghai, que mon prédécesseur Éric Piolle a réclamé à de nombreuses reprises dans cette assemblée. Près de 19 millions d'euros pour l'animation de ce pavillon, dont 7,7 millions de subventions, donc d'argent public, et 4,1 millions portés par ERAI, financés en partie par un emprunt, dont on reparlera. Fin 2011, ERAI est en situation de cessation de paiement et la région vote une avance remboursable de 2 millions d'euros, puis une autre en 2013 de 600 000 euros, pardon, en 2012, puis une troisième en 2013, toujours de 600 000 euros, ce qui porte les avances remboursables votées par la région ERAI à 3,2 millions d'euros. Toujours en 2013, la région reprend le bail de Shanghai, dont elle paye du coup une majeure partie du loyer, et elle reprend à cette occasion le solde de l'emprunt contracté par ERAI, dont on a parlé tout à l'heure, le solde qui se montait à l'époque à 2,4 millions d'euros. Au total, le pavillon de Shanghai aura coûté plus de 10 millions d'euros à la région, au jour d'aujourd'hui, mais elle continue de payer son loyer. Si le nombre de salariés directs d'ERAI, siège plus implantation, a diminué entre 2011 et 2013, passant de 149 à 126, la masse salariale, elle, n'a pas cessé d'augmenter, passant de 5,6 millions d'euros à 6,1 millions d'euros, plus 500 000 euros. Certains salaires, donc, ont vu sans doute leur montant progresser fortement, alors que la structure était en cessation de paiement et que l'argent public était obligé d'abonder. Cela pourrait peut-être s'apparenter à de l'abus de biens sociaux. Les résultats des filiales sont tous négatifs depuis des années. Moins 3,5 millions en 2011, moins 4,2 en 2012, moins 4 en 2013. La semaine dernière, les directeurs de ces implantations ont écrit aux conseillers régionaux, nous appelant à assumer nos responsabilités. Ils écrivent, je cite, « Certains employés ont été obligés de se porter garant personnellement des rails pour des contrats de location de bureaux, d'être actionnaires de leur structure et d'endosser des responsabilités légales au nom des rails. Le fait
que certains employés déraillés aient pris des risques énormes en acceptant ces responsabilités est seulement dû au fait, je cite toujours, que la région était une caution réelle, morale et financière pour eux. Fin de citation. Ces cadres qui nous écrivent dirigent donc des filiales qui ont toutes cumulé des déficits plus ou moins importants depuis de nombreuses années, totalisant fin 2013 un passif de 5,7 millions d'euros, et nous demandent d'assumer nos responsabilités. Comment ces dirigeants de filiales, donc d'entreprises, ont-ils pu croire que leur perte rémanente et toujours plus importante n'était pas dramatique? Pourquoi ont-ils cru que perdre de l'argent, beaucoup d'argent, sur un marché concurrentiel ne portait pas à conséquence? Comment ont-ils pu imaginer que l'argent public était de toute façon là pour combler leurs pertes? Qui leur a laissé croire de telles inepties? Enfin, grâce à la procédure de redressement judiciaire, nous avons pu avoir accès à certains documents. Pas tous, mais certains. Et là, nous devons avouer notre stupéfaction. Le directeur général, ancien cadre de la région, nommé en 2011 à Erail, dans la situation de la cessation de paiement, pour redresser la situation, touche un salaire brut de 143 000 euros par an, soit ramené sur 12 mois à plus de 12 000 euros par mois. Le directeur général adjoint, 120 000 euros brut par an. Le directeur financement investissement, seulement 88 000 euros, mais à 80 %. Ça correspond à 110 000 euros en équivalent temps plein. Le directeur développement international, 105 000 euros. Un chargé de mission auprès du président, seulement 79 000 euros. Les dirigeants des filiales sont, eux, beaucoup moins bien lotis. Mais deux ont retenu notre attention au vu de leurs résultats et parce qu'ils sont payés directement par Erail-Mer, ce qui n'est pas le cas de tous. En Chine, 5 228 euros bruts par mois sur 13 mois. Au Canada, 5 050 euros bruts par mois sur 13 mois. Tous ces salaires ne prennent pas en compte, bien sûr, les frais annexes, en particulier les frais de déplacement, qui croissent presque aussi vite que les déficits. Depuis le début du mandat, la région aura mis plus de 40 millions d'euros en subventions ordinaires, subventions exceptionnelles, avances remboursables qui seront sans doute perdues. Depuis la deuxième année du mandat, la situation catastrophique des rails est connue de la région. Je l'ai dit, l'audit Scorex a été rendu le 26 avril 2012. Elle est pourtant connue des conseillers régionaux seulement depuis janvier 2015. Au vu de ces sommes, nous trouverions normal de connaître les résultats précis, par pays, du nombre d'entreprises accompagnées, des chiffres d'affaires générés, des emplois créés. Vous parliez de transparence, monsieur le vice-président. Cela fait maintenant 2 ans que mon groupe demande et réclame ces informations et ne les a obtenues que partiellement, notamment grâce à la data room mise en ligne par l'administrateur judiciaire. Depuis le début du mandat, notre administratrice, Fatia Benhamed, elle l'a dit tout à l'heure, est la seule administratrice représentant la région à ne pas valider les comptes de l'association et surtout à ne pas valider l'expansion perpétuelle des rails, à ne pas voter pour la création des nouvelles filiales. Depuis le début du mandat, notre groupe, celui des élus écologistes, refuse de voter les rallonges à répétition que vous nous avez proposées pour cette structure sans avoir les justificatifs qui nous permettent de voter en toute connaissance de cause. Depuis bientôt 2 ans, notre groupe, je l'ai dit, a réclamé à de multiples reprises auprès de l'exécutif régional les documents comptables, sociaux et statutaires. Depuis quelques mois seulement, nous en avons une partie. Il semble qu'Erail, pour des raisons inconnues, n'ait pas été censé donner à la région les documents que cette dernière, la région, réclame pourtant à toutes les structures qu'elle subventionne, même quand elle ne donne que quelques milliers d'euros. Et maintenant, ni Erail ni l'exécutif régional n'ont lu le rapport de la Cour des comptes de 2008. Alors oui, la région porte une responsabilité manifeste dans la situation d'aujourd'hui. Cela ressemble d'ailleurs à du soutien abusif. L'offre de reprise qui nous est proposée, beaucoup en ont parlé, face à la situation nouvelle créée par le seul fait que d'autres élus ont rejoint notre groupe dans le refus de voter, de continuer d'abonder ce gouffre financier, vous nous proposez une reprise partielle des activités des rails par Hardy. Il y a 6 mois, vous souhaitiez fusionner ces 2 structures, ces 2 associations,
vous avez été contrainte de reculer face à l'opposition de la majorité des conseillers régionaux, dont la plupart estimaient à l'époque que cela pourrait mettre en danger l'ARDI, qui, bien que peu transparente, puisque on parle beaucoup de transparence, mais où sont les comptes de l'ARDI depuis toutes ces années, alors que c'est une structure financée à 100% par la région? Ils ne sont même pas publiés sur le compte du Premier ministre, alors que la subvention, vous le savez bien, dépasse largement le minimum pour que cette publication soit obligatoire. Nous estimions qu'à l'époque, que cela mettait en danger l'ARDI, qui, bien que peu transparente, a quand même un fonctionnement équilibré et reconnu pour son efficacité. À de nombreuses reprises, les différents groupes de l'Assemblée ont émis le souhait que nous travaillions collectivement à la définition des missions d'intérêt général régional que nous pouvions confier à une structure. Ce travail n'a jamais pu voir le jour. Il y a quelques semaines, vous nous avez informé qu'ARDI travaillait à une offre de reprise partielle, dont vous n'aviez pas le contenu, vous ne pouviez pas nous en parler. Nous ne pouvons malheureusement pas vous croire. ARDI n'aurait pas réfléchi à une telle offre sans commande de la région. Nous avons d'ailleurs appris subrepticement que le consultant d'ARDI était payé directement par la région pour travailler à cette offre. Jeudi dernier, soit il y a 4 jours, juste avant ce long week-end, studieux pour certains d'entre nous manifestement, ARDI et son consultant sont venus nous présenter cette offre. Ils nous ont dit qu'ils souhaitaient reprendre, je dis bien, ils nous ont dit jeudi, 23 salariés sur les 57 du siège et 6 filiales sur 27. Cela représente environ un tiers des rails. Et pour cela, ils demandaient à la région une subvention de 4,4 millions d'euros, soit les deux tiers de la subvention annuelle des rails. Ça, c'était jeudi matin. Samedi, M. Gagnère nous a effectivement envoyé une note qui transformait pour partie cette offre de reprise. Et puis ce matin, il vient de nous dire que cette note était encore actualisée, que des choses avaient changé. Vous comprendrez qu'il est difficile pour des élus régionaux de prendre des décisions en toute connaissance de cause dans ces conditions. Le président d'ARDI et son équipe nous ont parlé de missions d'intérêt général régional, de présence nécessaire dans certains pays, de partenariat avec des structures privées, de maîtrise des coûts, mes prédécesseurs l'ont dit. Je crois que nous sommes tous d'accord, nous serions presque unanimes sur le sujet. Mais qui doit définir ces priorités? Il nous semble que cela relève justement pleinement de la responsabilité des élus régionaux. Et contrairement à nos demandes répétées, nous n'avons encore jamais pu en débattre collectivement. Pour un projet de reprise efficace, il faut un repreneur solide et un projet lisible sur les 3 années à venir. Nous manquons à la fois d'un bilan, et des comptes d'exploitation de l'ARDI sur les 3 dernières années, et d'un véritable business plan sur les 3 années qui viennent. Les éléments confus, en 4 rubriques, montrent que, pour un montant de subvention équivalent, l'activité des rails, notamment le nombre de salariés, serait réduite d'environ la moitié. Qu'il n'y a aucune lisibilité sur le moyen terme. Qu'il n'y a aucune recherche de responsabilité, au point que ceux qui sont responsables de cette gabegie pourraient continuer à travailler dans la structure ARDI. Que l'ensemble des risques à l'étranger n'a pas été clairement évalué et que, de toute manière, ces risques ne sont pas pris en charge par l'ARDI dans leur intégralité. Dans ces conditions, il ne nous semble pas possible de donner un crédit suffisant à cette offre au regard du manque d'informations, du manque d'ambition de l'offre, ramené au nombre de salariés concernés et du coût encore très important pour la région au regard de ses faiblesses. Ce qu'il nous semble alors nécessaire de faire, d'abord, assumer collectivement les responsabilités de la région, même si les responsabilités humaines des dérives sont loin d'avoir été collectives. Les directeurs des implantations, dans leur courrier, nous demandent d'assumer et d'assurer les moyens financiers nécessaires à une fermeture progressive de certaines filiales en conformité avec les législations locales. Ceci est absent du projet de rapport que vous nous présentez et fait l'objet d'un de nos amendements. Ensuite, nous sommes conscients que nous ne pouvons, pour mercredi prochain, présenter une offre alternative. D'autant plus que, malgré nos demandes, nous n'avons pas encore pu commencer à y travailler collectivement. Nous estimons donc qu'il ne faut pas se lancer dans un projet que nous ne maîtrisons pas et que, même s'il faut faire vite, nous devons prendre le temps nécessaire à la construction collective d'une politique régionale.
Nous proposons donc que soit mis en place un comité de transition qui devra collectivement définir les missions d'intérêt général régional dont tout le monde parle depuis ce matin, mais que personne n'a encore défini, et les conditions de leur mise en œuvre pour recréer une structure ad hoc d'ici octobre. C'est l'objet de notre deuxième amendement. C'est certainement court, d'ici octobre, mais beaucoup plus long et beaucoup plus réfléchi que la précipitation de ce que vous nous proposez. Il nous semble que la région pourrait alors avoir une ambition supérieure à l'offre d'Hardy. Les salariés des Rail-Mer, dont nous pensons qu'un nombre important assume des missions d'intérêt général régional, pourront alors être repris dans cette nouvelle structure et devront entre-temps et seront entre-temps pris en charge par les AGS et les indemnités légales. Nous sommes persuadés que la majorité des salariés des rails méritent mieux que la proposition que vous nous faites et qui manque d'ambition. Mais comme nous travaillons depuis des mois dans une opacité totale, il nous semble nécessaire de prendre enfin le temps nécessaire à la mise en œuvre d'une politique claire et ambitieuse de la région. Décider collectivement des missions d'intérêt général régional, des pays dans lesquels nous souhaitons une présence de la région et des partenariats à construire avec les structures existantes nous semble relever de notre rôle, du rôle des conseillers régionaux. Construire une structure nouvelle et mettre en œuvre ce projet prouverait que la région a une vision politique et se donne les moyens de la mettre en œuvre. Merci. Merci, Monsieur Collas. Je donne la parole pour